Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette journée du mercredi 27 janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Un petit point sur les énergies du moment, c'est tendu, tendu, tendu. Alors je sais pas vous, mais alors moi, je peux passer, si vous voulez, d'un état de joie, de paix intérieure à un état de colère absolument disproportionné, j'ai envie de dire. Voilà, bon. Faut que ça sorte, c'est comme ça, on accueille, on essaie de faire avec, mais c'est assez fatigant. Bon, bref, on va regarder du coup pour les énergies de ce mercredi, avec le petit oracle de Gaïa pour commencer, et puis je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui commentent, toutes les personnes qui m'envoient de jolis messages, des mails. Je peux pas répondre à tout le monde, j'en suis désolée, j'aimerais beaucoup, mais là ça me prendrait trop de temps, j'ai pas le temps. Donc en tout cas, merci à vous, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que c'est pas forcément évident hein, de proposer des guidances tous les jours, quotidiennes, c'est pas forcément évident, si vous voulez, de faire ce type de bah, si vous voulez, de vidéo, hein, voilà, ça demande quand même un travail de lâcher prise, ça demande un travail aussi quotidien sur, bah, sur le fait de sentir un peu le bon moment pour pouvoir faire ces guidances, proposer ces guidances, en tout cas en vidéo, mais vraiment, je prends énormément de plaisir, je prends énormément de... j'adore, voilà, j'adore, je découvre hein, vraiment avec vous aussi hein, les énergies des mois, les énergies du jour, par signe, j'en apprends toujours plus et c'est vraiment, c'est une source pour moi... Bah, c'est une source vraiment, enfin, très inspirante, quoi, c'est génial. Bref, bon, on va fermer la parenthèse, mais en tout cas, je vous remercie de participer et de contribuer à la chaîne, vraiment en commentant, en m'encourageant, en continuant, comme, enfin, vraiment, c'est, ouais, je m'attendais pas à autant d'engouement, en tout cas, donc c'est toujours un plaisir. Et puis, je rappelle aussi aux personnes, en tout cas, qui le souhaitent, parce que je reçois des questions quand même sur mes propositions. Donc je propose en fait des guidances personnalisées par téléphone ou via Skype ou WhatsApp, enfin ça dépend un peu, on essaie de s'adapter avec les moyens de communication pour pouvoir justement vous proposer une guidance personnalisée. Donc c'est vrai que je ne fais pas des guidances à la question ou au domaine précis, j'aime beaucoup en fait proposer des guidances complètes pour pouvoir justement aborder la situation dans son ensemble. Voilà, c'est vraiment une guidance extrêmement complète qui dure une heure en moyenne, parfois un peu plus. Voilà, c'est selon les besoins. Et du coup, c'est vrai que j'aime beaucoup travailler sur le global, hein, sur la globalité de la personne. Donc voilà, donc toutes mes prestations, en tout cas, sont sur mon site internet. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur julieguidance.com. Allez, c'est parti. Assez blablaté là. Hop, on y va pour ce mercredi. Mercredi 27 janvier. Donc les énergies puissantes. En plus, on a la pleine lune qui arrive jeudi. Voilà, il va falloir s'accrocher un peu. Mais bon, on a l'habitude maintenant. Hein. Allez, c'est parti. Mercredi 27 janvier. Ah ben, apprends. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Donc c'est ça. Hein. Le petit message que j'ai fait passer, c'est que ben, moi j'apprends beaucoup hein, au quotidien avec vous en proposant effectivement toutes ces guidances. J'apprends énormément sur moi, sur la vie, sur les énergies, sur tout un tas de domaines. Et c'est ça qui est génial. Et là on nous propose ici encore une fois d'apprendre. Voilà. Donc il y a l'idée ici en tout cas de... peut-être faire un petit bilan hein, durant cette journée de chaque rencontre, de chaque situation qu'on a pu vivre ces derniers temps pour pouvoir accéder à une forme de compréhension. Voilà. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder ici avec la sagesse d'Avalon. L'oracle la sagesse d'Avalon pour ce mercredi 27 janvier 2021. Et nous avons... Ok, le barde.
Il est question ici de musique, de poésie, d'histoire, de mythe, c'est intéressant, et plaisir enchanteur de raconter. Alors, ici, avec la carte du barde, moi j'ai le sentiment qu'on est vraiment sur le fait de vouloir exprimer peut-être de la beauté au travers de nos communications, au travers de... Alors, comment je pourrais dire ça? Il y a vraiment quelque chose de très de sympa avec le barde. C'est-à-dire qu'on ne se prend pas la tête. Ce sont vraiment des histoires, des plaisirs de raconter, du plaisir de peut-être de rire aussi. On est dans le divertissement, on est dans quelque chose de sympathique ici avec le barde. Ça peut être, en tout cas pour cette journée, de tomber sur des personnes qui sont un petit peu... qui ont un don peut-être artistique pour raconter les choses, peut-être pour chanter, ça peut être de la musique, ça peut être de la poésie, ça peut être... Parce que vous savez, voilà, les théâtres sont fermés depuis longtemps, les cinémas sont fermés depuis longtemps, il n'y a plus de concerts, il n'y a plus de... On prend plus le temps de se faire plaisir. Et là, peut-être que ça va être une journée où on va pouvoir se reconnecter un petit peu avec tout ça. Prendre du plaisir à écouter de la musique, à lire des histoires, à se faire plaisir. Voilà, peut-être aussi avec des collègues de travail. Peut-être ça va être une journée où on va se raconter des blagues, où on va être un peu plus détendu. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est très intéressant. Ok, on va voir ici ce qu'on nous donne. On va voir avec l'oracle Libération énergétique pour cette journée du mercredi 27 janvier. Agitation intérieure. Ouais, bon. Il y a un besoin d'exprimer, il y a un besoin d'extérioriser, peut-être du stress, des angoisses, de l'incertitude, de la frustration, des choses comme ça, mais de le faire de manière assez... Il y a de l'autodérision aussi là-dedans. Il y a un peu, j'ai l'impression ici qu'il y a, on va faire en sorte d'extérioriser les choses, mais avec beaucoup de poésie, avec beaucoup de beauté en fait, au travers de l'expression de quelque chose. Alors, ça peut être par exemple si vous avez des revendications, s'il y a des personnes qui en ce moment elles ont vraiment envie de revendiquer des choses, de le faire de manière artistique peut-être, ou de manière au travers d'une musique, d'une chanson peut-être, ou au travers de quelque chose. Il y a quelque chose d'artistique là-dedans. Ouais, c'est très intéressant. Bon, on va voir ce qu'on nous donne ici avec l'oracle des nombres. Après, ça peut être un personnage, hein, un personnage particulier qui va vraiment nous marquer pour cette journée. Oh là là, cette carte, elle sort souvent, mais souvent. Vibration positive. Donc là, on nous rappelle qu'on est vraiment accompagné. On est vraiment dans des énergies positives. En tout cas, on va avoir besoin de se connecter à ces énergies-là parce que c'est celles-là qui nous font avancer, en fait, au jour le jour, au quotidien. Hein. Dans les périodes un petit peu compliquées qu'on vit là, ce sont ces vibrations positives qui nous redonnent un petit peu de joie, le sourire, l'envie de rire, l'envie de plaisanter, l'envie d'être dans l'autodérision, l'envie aussi de retrouver un petit peu son côté conteur d'histoire ou d'avoir envie de faire un peu ben, de décompresser, voilà. Je ressens vraiment ces énergies comme ça. On a envie quelque part d'en rire finalement. Même la situation, elle est grave. On en a tous ras-le-bol, mais il y a une envie d'extérioriser ça de manière assez poétique, voilà. Bon, on va essayer de voir au niveau concret avec l'oracle mission de vie pour voir au niveau, voilà, notre énergie d'action, activité pour cette journée. Et on a le savant qui nous parle ici de savoir, de connaissance, le fait d'apprendre des nouvelles choses, peut-être d'apprendre, bah de découvrir une partie de sa personnalité aussi, hein, de se découvrir soi-même, hein, de voir que finalement on peut aussi prendre du plaisir, voilà, à extérioriser quelque chose. Ouais, il y a quelque chose à apprendre. Alors peut-être qu'il y a un personnage qui pourrait, voilà, hein, qui pourrait ressembler un peu au barde, c'est-à-dire quelqu'un d'un petit peu artistique, qui va pouvoir révéler des choses, que ce soit au travers de la musique, au travers de fait de raconter quelque chose. Il y a l'idée d'apprendre des choses, peut-être de ce personnage qu'on va croiser durant cette journée. Ça peut être assez intéressant ici. Le savant, c'est vraiment l'idée d'apprendre, de comprendre, d'avoir accès à une certaine forme de savoir intérieur aussi, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui résonne ici. Le barde, pour moi, fait référence au monde de la culture en général. Donc peut-être qu'au niveau de l'actualité, on va peut-être entendre parler du monde culturel. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va voir. Allez, avec le tarot doré. Donc pour ce mercredi 27 janvier 2023.
au niveau de notre énergie d'action, activité. Oh là là, on est hein, dans l'apprentissage. Le pape, c'est la leçon de vie. J'entends leçon de vie tout de suite. On tire les leçons de notre passé. On tire les leçons de certaines choses. Et puis, on essaie d'exprimer. Hein. On exprime ce qui se passe à l'intérieur de nous. On essaie de le retranscrire. Tout le savoir, tout ce qu'on a pu comprendre et apprendre, peut-être des situations passées, on va pouvoir peut-être l'exprimer pour cette journée. Mais de façon très positive, attention. Hein, de façon... c'est pas de la colère, c'est pas de... je dirais plutôt... On va essayer de le manifester de façon créative, peut-être, et positive pour certains. Alors, 7 de coupe. Ouais, c'est la fin des illusions. Oula. C'est la fin des illusions quand même. Hein. Alors pour certains, il peut être question d'arriver à la fin d'un cycle. Peut-être la fin d'un apprentissage si vous étiez en formation par exemple. Et de réussir à comprendre. On boucle la boucle là. On réussit à comprendre, on réussit à vraiment tirer des leçons de quelque chose ici. Et ça nous permet ici de sortir. Pour moi, c'est une vraie transformation. La carte de la mort, elle nous permet de sortir d'un état... je dirais illusoire. La 7 de coupe, c'est quand vraiment on sait plus trop. On est dans le brouillard, on sait pas. On sait pas où on va, on sait pas ce qu'on veut faire, on sait pas comment, pourquoi. Et bien là, ça y est, il y a des réponses qui arrivent. Hein. Pour moi, j'ai l'impression que il y a quelque chose ici ou quelqu'un qui pourrait nous apporter certaines réponses. Des réponses peut-être dues à notre agitation intérieure. Il y a peut-être du stress, des angoisses, de la peur. L'idée ici de ne pas savoir quoi faire, d'être un peu perdu. Et finalement, là, on apprend des choses qui nous permettent finalement de mettre fin à cette confusion ambiante. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne ? Ah oui, la papesse. Bah oui, bien sûr. Bah oui, évidemment. La papesse, pour moi, ici, elle nous parle de la capacité qu'on va pouvoir avoir à se laisser guider et à se laisser porter. C'est l'inconscient, c'est le subconscient même, la papesse. C'est vraiment le côté inconscient de nos personnes. Hein. C'est notre inconscient et on va se laisser aller. On va se laisser aller tout simplement à cette transformation. On va se laisser... voilà. Il y a l'idée ici d'être vraiment dans le fait d'apprendre des choses, de comprendre des choses. Avec le pape, on est sur quelque chose, sur un enseignement quand même assez important qui nous permet ici de mieux comprendre peut-être pourquoi cette agitation intérieure... faire la lumière sur plein de choses, sur ce qui s'est passé peut-être dans nos vies hein, depuis un certain temps, à titre personnel comme à titre collectif. Et ici, il est question de transformation pour pouvoir justement accéder à une partie inconsciente de nous. Voilà. Des choses qu'on avait du mal à laisser derrière nous, peut-être aussi. Hein. Pour certains, ça peut être des choses du passé qui nous ont bloquées. Alors... Du côté de notre énergie d'action, moi je pense que pour certains, il peut être question de mettre fin à une situation trouble et d'aller chercher les réponses aux questions, les réponses nécessaires en tout cas à notre évolution personnelle. Voilà, s'il y a quelque chose où on vous balade depuis un certain temps, il y a quelqu'un qui peut vous raconter des histoires en vous disant « Mais oui, le contrat, mais oui, on va bientôt le signer, et puis tu auras bientôt un CDI, puis finalement, bah non, c'est pas un CDI, c'est un CDD. » Ou... Enfin, vous voyez, on vous balade, on nous promène, on nous promet des choses, et au final, là, on commence à prendre conscience de ce qui se passe. On sort de l'illusion, il y a un voile qui tombe, il y a quelque chose, et là, on peut prendre des décisions en conséquence. Pour moi, il y a des situations cachées qui se révèlent aussi. Ou des choses qu'on n'avait pas forcément vues, qui peuvent se révéler. Mais il y a quelque chose de très positif là-dedans, c'est-à-dire qu'on va pouvoir du coup se concentrer sur les choses qui en valent la peine et laisser les choses qu'on... Finalement, on pensait s'accrocher à des choses qu'on croyait essentielles, alors qu'au final, ça ne l'est pas du tout. Vous voyez l'idée ? Je pense qu'on est là-dessus. Donc il y a une évolution, ouais, on apprend, on comprend, et ça va vraiment faire du bien pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Au niveau relationnel et sentimental ici, avec l'oracle chakra du cœur, qu'est-ce qu'on nous donne ici ? On nous parle de séparation, de divorce ou en tout cas de séparation ici. Il y a peut-être eu des personnes qui se sont séparées, alors que ce soit au niveau sentimental ou je dirais même amical et familial. Hein. Il y a eu des ruptures, hein, clairement. Il y a eu des ruptures. On sent que ça n'a pas été facile. On a quand même la 10 d'épée, la 4 de coupe, ok. Oh là, la 9 d'épée. Ok, les masques tombent.
Il y a peut-être quelqu'un ici qui peut vous raconter des histoires et qui essaie de vous balader, qui essaie de vous mentir, hein. On voit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas bien intentionné. On a la 7 d'épée ici. C'est quelqu'un, en tout cas, qui essaie de vous cacher des choses ou qui joue pas franc jeu avec vous. Pour moi, il y a des personnes qui vont y voir clair. On apprend. On apprend de nos erreurs. En tout cas, on apprend peut-être aussi à débusquer les personnes qui seraient, je dirais, malhonnêtes ou qui jouent pas franc jeu pour vous. Pour moi, il est question ici de sortir, hein, peut-être d'une relation comme ça, qui vous maintenait dans l'incertitude, mais je dirais aussi dans le, comment dire, dans l'attente. Voilà, vous attendiez toujours quelque chose d'une personne ici. Quelqu'un qui vous fait languir, qui vous fait patienter, qui vous raconte des histoires, qui essaie de vous maintenir dans quelque chose de malsain. On voit qu'on avait peur ici, hein. La 9 d'épée, c'est les peurs, les craintes, c'est la peur de parler, la peur de dire quelque chose, la peur de s'affirmer peut-être, pourquoi pas. Pour moi, il y a des... On est dans les révélations. De toute façon, on le voit bien, hein, au niveau de l'actualité, on voit bien ici qu'il y a des vérités qui... Il y a des langues qui se délient, il y a des vérités qui éclatent, parce qu'on a besoin d'être... En fait, on a besoin d'être franc avec soi-même, on a besoin d'être authentique avec soi-même. Donc quand on a des choses à dire, eh bien, il faut les dire. Et c'est un besoin comme ça, parce que les énergies aussi s'y prêtent. On est dans le Verseau. On a besoin que les vérités éclatent, on a besoin de voir la vérité en face. Et là, je pense qu'au niveau relationnel, il y a des relations ici qui sont vraiment en train de lâcher. Clairement, ils sont en train de lâcher parce que c'est mis au grand jour. Il y a des vérités qui sont mises au grand jour ici. Donc pour moi, il y a des possibles personnes dans votre entourage avec qui c'est plus possible. Et vous le savez déjà, hein. Pour moi, c'est pas nouveau. Vous savez déjà qu'on vous balade, on vous raconte des histoires ici et qu'il est temps d'en terminer avec ça. Donc n'ayez plus peur, hein. Sortez un petit peu de je dirais, de ce silence, parce que vous ne dites rien, ou parce que peut-être que vous fuyez le conflit, vous n'avez pas forcément envie, ou alors vous avez du mal à assumer effectivement une séparation parce que ça engendre tout un tas de choses derrière, vous voyez? C'est possible. Mais là, il est question de choix. Les amoureux ici me parlent de choix du cœur, de choix important, de choisir peut-être la vérité, de choisir peut-être de faire tomber des masques. Il est possible qu'il y ait des révélations, hein, ici, hein. Donc on a besoin quelque part de se laisser porter par des énergies un peu plus positives, c'est-à-dire on sent qu'on a besoin de dire des choses, on sent qu'on a besoin de sortir peut-être du silence ici pour, voilà, la vérité, il faut que la vérité soit faite. En gros, c'est ça. Et là, il y a l'idée ici de réussir à extérioriser tout ça. Peut-être de manière, je dirais, de manière peut-être aussi artistique, hein. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui vont vraiment exprimer ça de façon, au travers de l'écriture, par exemple, au travers de, je sais pas moi, la peinture, la musique. Il y a l'idée d'exprimer ça différemment, hein. C'est possible. Allez, on va voir ce qu'on nous dit ici avec le tarot des anges gardiens pour ce mercredi 27 janvier 2021. Nous avons la 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc là, on vous dit ici que s'il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête, si vous avez besoin d'avoir des réponses à des questions, si vous avez besoin justement que la vérité soit faite, ben, au lieu de tourner ça en boucle dans votre tête, on vous invite vraiment à prendre un peu de recul, peut-être à méditer un peu, à essayer vraiment de prendre du recul, en fait, c'est ça, hein, prendre du recul pour y voir plus clair. Mais en tout cas, dites-vous que vous êtes accompagné, que vous pouvez demander de l'aide de vos guides, de vos anges, parce qu'ils sont jamais loin. Ils sont jamais loin de nous, surtout en ce moment, j'ai l'impression, parce que cette carte, elle ressort vraiment tout le temps. Et on nous rappelle ici que, voilà, on se branche sur des vibrations positives, justement, pour que tout ce qui doit être, je dirais, de l'ordre du mensonge, mais en général, hein, de l'ordre, eh bien, tous les masques doivent tomber. Et là,
Là, il y a quelque chose à régler, en tout cas au niveau relationnel, émotionnel. Il y a des choses qui doivent sortir, peut-être des secrets, des choses qu'on gardait pour soi, il est peut-être temps de dire les choses pour faire tomber certains masques et être vraiment en total accord avec notre propre vérité intérieure. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.